Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobiti et serai votre guide dans cette découverte de Yestermo. Il s'agit d'un jeu développé par Bitmap Galaxy, qui est un jeu de plateforme, donc en temps réel et en solo, malgré la présence de deux personnages sur l'écran que vous pouvez voir. Je vous expliquerai pourquoi après. Il s'agit d'un jeu qui est jouable à la manette, qui est en français et qui est disponible pour le prix de 17,99€. Donc dans Yestermoro, on va incarner Yui. Donc Yui, on va l'incarner à la fois en version enfant et en version adulte, on va dire. Puisqu'en fait le monde de Yui a été envahi par les ombres, et Yui a découvert un pouvoir un peu particulier qui lui permet de passer dans le temps entre le moment avant l'invasion des ombres et après. Avant de commencer, je tenais à remercier la chaîne 119 minutes et GOG pour la clé du jeu. Et eh bien, on va aller voir en jeu à quoi ça ressemble. Donc, pour cette découverte, je vous propose de commencer non pas au tout début de l'aventure, mais après que Yui ait obtenu le pouvoir qui lui permet de voyager dans le temps. Comme ça, on va pas trop vous spoiler l'histoire. Si l'histoire vous intéresse, vous pourrez la découvrir par vous-même. Et c'est parti! Donc, nous voilà avec Yui. Alors, ici, on incarne Yui, petite fille, puisqu'elle a une toute petite couette. Vous verrez, son apparence est différente entre le passé et le présent. Et je nous ai fait commencer dans le village. Donc ici, c'est notre maison. Et ça, c'est notre frère. Oh, Haro, tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver. T'as vu un serpent manger une grenouille? Burk, mais non, encore mieux! Je suis revenu dans le temps depuis le futur. Mais oui. Et est-ce que t'as vu un serpent manger une grenouille? Parce que moi, oui, et c'était génial. Mais, oh, laisse tomber. Donc, bien évidemment, personne ne va la croire, hein. Le pouvoir de voyager dans le temps. Et donc ça, c'est notre maison. Donc on a un système d'étages dans les bâtiments. On peut bien évidemment se balader. Il peut y avoir des petits secrets à découvrir. Et ici, c'est notre maman. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Maman, maman, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Une statue géante m'a renvoyée dans le passé pour arrêter les ombres. Oh, ma puce, ton imagination ne cessera jamais de m'étonner. Mais, c'est vrai! Bien entendu. Kiko te cherchait un peu plus tôt, va la retrouver, ma petite voyageuse temporelle. Donc les personnages, bien évidemment, nous donnent des petites quêtes et des petites indications. Et voyez, ici... on a une porte fermée, on ne peut pas passer, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc on va aller voir Kiko. Et on va, du coup, aller par là. Donc ces petites plateformes-là sont des points de sauvegarde. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut nager. Donc l'eau ne nous... pas, c'est cool. Donc il y a des bêtes qui sont plus ou moins dangereuses, hein, même si celle-là, on peut rebondir dessus. Donc, elle nous pique pas de vie, puisque vous voyez en haut à gauche, on a 4 cœurs. En fait, on commence avec 3 et j'ai déjà récupéré un cœur supplémentaire.
Et on a d'autres petits éléments dont on parlera après. Yui, viens vite, quelque chose de bizarre est arrivé. Donc, petite ciné. C'est là-haut, il faut sauter entre les murs, comme ça. Donc, c'est du tuto, mais en même temps, c'est du classique. Putain, j'arrive mieux avec le joystick. J'ai l'air con. Voilà. Donc, ici, on a des petites indications qui nous indiquent donc les directions. Si on va à la droite d'où on vient, c'est le village prospère. Et à gauche, c'est le marais. Donc Kiko nous invite dans le marais. Bûcheron, c'est pas si mal. Je peux dormir toute la nuit et travailler toute la journée. Notre bois est de la meilleure qualité. Les habitants des îles glaciales, des arides, nous l'achètent à bon prix. Donc il y a d'autres îles qu'on pourrait explorer. Petit jeu de mots. Les jours s'enchaînent et nous, on est au boulot. Et lui, il a rien à te dire. Lui, il a rien à nous dire. Nouveau petit point de sauvegarde, donc pas hésiter à les enchaîner, hein, les points de sauvegarde. Là, ça va, on est dans le village, c'est calme, mais quand on va s'éloigner, quand on va aller dans le marais, ça va être plus dangereux. Regarde, le sol bouge par ici. Je voulais descendre par moi-même, mais c'est sombre et ça fait peur. Donc ça fait sombre et ça fait peur et tu nous y envoies. Cool. Donc, elle nous y envoie, ici. Maintenant, il n'y a pas de petit espace secret. Ça arrive qu'il y en ait des petits raccourcis secrets. Alors, petite chauve-souris. La chauve-souris peut nous piquer de la vie. Au-delà. De la boue. Ici, on a des petites gouttes de poison qui tombent du plafond. On va être honnête, le jeu. N'est pas pour les débutants en jeu de plateforme. Il faut du bon réflexe et le tuto particulièrement est je dirais pas complexe mais il faut s'accrocher pour y arriver. On peut pas grimper ? Voilà. Donc ici, on a un objet en hauteur qu'on va pouvoir récupérer, sans doute en profitant de notre copain, le verre. Voilà. Donc, on débloque un système de collection. On va aller voir ça tout de suite. Donc on a un petit inventaire. Donc sur la première page, on a tout un historique de quêtes. Avec aussi le pouvoir, donc on voit ici il y a 7 emplacements de pouvoir, on a que le premier. Qui est, vous pouvez maintenant récupérer des cristaux de toute lumière et interagir avec les objets de toute lumière. Vous voyez les autres, je ne les ai pas. On voit, même si on ne peut pas interagir avec, je vais aller avec la souris pour pouvoir vous le montrer. Non, je peux pas, moi je peux pas. Donc on a un cristaux de toute lumière, les cristaux noirs je ne sais pas encore ce que c'est, donc on voit ici que il faut 3 fragments de cœur pour avoir un nouveau cœur, si j'en ai un, puisqu'il y en a un qui est rouge. Et on a récupéré 5 animaux sur 44. Ensuite on a toute une carte, donc la carte est gigantesque. Pour l'instant, on n'a pas exploré grand-chose puisqu'on est au début. Et on a donc ici les fameuses collections qui vont nous donner en fait du lore sur le monde. Pour commencer, les anciens créèrent une étendue d'eau, une zone neutre pour chacun d'entre eux. Puis, des profondeurs de l'océan primordial, ils érigèrent une île de pierre solide. Sur cette île, ils inventèrent un mécanisme merveilleux, appelé le Lumidupe.
concentraient une partie de la toute lumière de l'univers, directement dans leur nouveau monde. Une fois qu'ils eurent terminé, les anciens tirèrent de cette source de toute lumière assez de puissance pour créer chacun leur propre île. Chaque île remplirait ainsi un rôle crucial dans le monde. Donc là, nous, celui qu'on vient de débloquer, c'est celui-là, je pense. Parce qu'il y a des petits points qui nous indiquent les nouveautés. Donc on a un bestiaire sur la dernière page. Donc le vert-vert, qu'on vient de sauter dessus pour pouvoir récupérer notre petit objet de collection. Les vers sont l'espèce la plus répandue dans le monde de Yestermont. On peut rencontrer des minuscules et d'autres à taille humaine. Ils sont inoffensifs et se fichent lorsque touchés ou perturbés. Les enfants aiment sauter sur leur dos et rebondir. Donc ça, ce sont les plus gentils. Bien évidemment, on va avoir des plus méchants, genre ces vers-là, les vers à pic. Cousin plus résistant du ver vert, le ver à pic est protégé par une rangée de pics pointus, même s'il reste inoffensif. Il a tendance à se rouler en boule pour se protéger s'y attaque. Donc, voilà. Dans notre petit inventaire, on va avoir un certain nombre d'informations. Donc, on va essayer de aller par là. Il y a une petite plateforme qui monte et qui descend. Je vois pas l'intérêt qu'elle monte, surtout. Donc on a une petite araignée qu'on va éviter de toucher pour éviter de perdre de la santé. On patouche dans la boue. Et on entre ici. Une petite cinématique. Papa est en haut, je l'entends. J'adorerais le voir, mais il ne doit pas savoir que je suis là. Les ombres s'en font étrangement discrètes depuis un bon moment. J'ai peur qu'elle cherche à créer un faux sentiment de sécurité. J'aimerais étudier le Lumiduc plus en détail afin d'améliorer ses pouvoirs si la situation devait empirer. Également, j'aimerais faire de Yui mon apprenti. Grand maître, avec tout mon plus grand respect, perturber le Lumiduc nous expose à des risques bien plus grands. Et j'ai pas eu le temps d'aller plus vite. En ce qui concerne ma fille, les femmes n'ont jamais pu intégrer l'ordre et je vois pas pourquoi les choses changeraient maintenant. Comme tu le souhaites, je n'irai pas contre ta volonté, tant que toi ou le conseil n'en aurait pas décidé autrement. Mais sache que je m'inquiète pour la pérennité de notre monde. Nos nombres ne font que faiblir et la plupart des recrues manquent cruellement à la fois de discipline et de talent. Même nous, nous sommes trop acclimatés au confort. Vous vous trompez, grand maître. Avec le temps, les jeunes comprendront leur rôle. Le pouvoir de la toute lumière ne nous laissera pas tomber. Espérons que tu aies raison. Comment avancent tes recherches? Venez donc voir. Donc c'est le petit bémol sur les cinématiques. Ce qu'il faut être capable de lire assez rapidement, puisqu'on n'a pas le contrôle sur les dialogues. Et ici, on a un petit bâtiment, qui est en fait le bâtiment qui nous permet de passer dans le futur. Et vous voyez, du coup, on a une grande couette. Voilà. Et surtout, papa n'est plus là, on va pouvoir aller voir ses recherches. Donc on a débloqué un morceau de carte. À l'aide! Non! Lâche ma mère! Donc là, les ombres viennent de nous donner une motivation supplémentaire pour... les combattre, tout simplement, parce que, en théorie, on n'est pas garde-temps, donc, puisque, on vient de voir, notre papa n'a pas accepté, puisqu'on était une fille, que l'on devienne garde-temps. On dirait que certaines forces ont décidé autrement. Et en fait, cette porte-là était fermée. Et elle est du coup ouverte. Et surtout, ils ont détruit
le petit mécanisme qui nous permettait d'aller dans le passé ou dans le futur. Donc on se retrouve ici, avec Kiko. Yui, tu vas bien ? Toute lumière, merci, j'ai cru que toi aussi il t'avait eu. Suis-moi, j'ai vu où ils sont partis. En même temps, ils ont fait un gros trou dans la maison. Ça doit pas être très dur de les retrouver. Il devait y en avoir trois. Voilà, il détruit la moitié de la montagne. Laisse-nous partir, espère de brute! Sinon quoi, petit cloporte? Ou sinon, la toute lumière te mettra en pièces. Tu oses m'insulter, Vilastico? Tu vas souffrir. Emmenez-le directement au temple. Le corrupteur va s'occuper de lui. Non! Laissez-moi! Il sera un bon atout pour nos armées. Et toi, tu viens avec moi. Parle à toute lumière! On fait quoi maintenant? Kiko, retourne au village et protège les survivants. Je dois secourir ma famille. Partir toutes les deux, ça serait prendre trop de risques. Ça va aller pour toi? Ne t'inquiète pas. Je vais refaire des provisions et attendre ton retour. Fais attention à toi. Je dois sauver ma famille. L'ombre imposante a envoyé mon frère au temple. C'est la seule piste que j'ai pour l'instant. On va sauvegarder un petit coup. Et effectivement, on nous dit d'aller au temple pour essayer de sauver notre frère. Donc on va suivre la piste dans les marais. Ouah ! Il semblerait qu'il y ait des petites bêtes dangereuses. Au nom de la toute lumière, qu'est-ce que c'était? Hop. Hop. Et là, on va peut-être pouvoir sauver le chien. Je prends un peu d'élan. Je saute et je ressaute. Et ici, on a trouvé un petit chien. Qui nous fait des petits cœurs. Et du coup... on va en avoir un de plus dans notre collection. Pour l'instant, j'ai pas trouvé à quoi servaient exactement les chiens, à part la collection. C'est probablement seulement la collection, on va dire. voilà, ça, ça m'a l'air un peu dangereux. Je l'ai pas encore découvert. Et on va nous falloir un petit peu de dextérité, parce que je trouve ça un peu chaud. Attraper les cordes. Ah, pas assez loin, pas assez loin. Alors honnêtement, c'est... système de navigation de liane en liane que je trouve un petit peu touchy, il faut du bon réflexe. Même si avec un peu de patience ça se passe bien. Je vais pas rester trop bas parce que j'ai pas envie qu'il me bouffe. Ouais, j'ai eu raison. Ok, donc en fait tu me mets la pression toi. Bon, je vais sauter. Je pense qu'il va falloir que je me balance un petit peu. Est-ce que je peux me balancer sur ce truc là? Ouais, c'est une chaîne un peu rigide, ça se balance pas très bien. Ah! Salaud! Ah, j'ai pas sauté assez loin. Sinon, quitte à perdre un cœur, ouais. Je balance vraiment pas dans cette bouffe.
suffisamment haut là, tu vas pas me bouffer. Voilà. En y allant doucement, ça passe bien. Et on a ici un petit. Une petite maison. Donc qui est toute dévastée. Mais on va au sous-sol. Et on retourne dans le passé. Et dans le passé, on n'a pas l'air d'avoir grand chose en haut. Bonjour Louis, tu es venu admirer la pompe à eau ? Effectivement, ça a l'air d'être dans un meilleur état et on va peut-être pouvoir en faire des choses. Et ici, on a un système de mécanisme qui s'est activé. Si je suis plus dessus, il s'active plus. Vous voyez à gauche le petit rail avec sa petite plateforme. Donc il va falloir arriver à sauter dessus de manière assez rapide. Donc je pense que ça vous donne déjà une petite idée du jeu. Même si là on n'a pas eu de gros monstres. À ce stade du jeu, je n'ai pas de pouvoir pour me battre. C'est uniquement du saut, de la dextérité. Et puis choisir les bons chemins, choisir le bon temps, la bonne période pour y arriver. Mais il se pourrait que dans la suite du jeu, on ait quand même un petit peu de pouvoir pour se battre. Parce que bon, il va quand même falloir réussir à éliminer les ombres. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais tenter ce mécanisme, même si je sens l'astuce à la con. En fait, ce que je veux, c'est me rapprocher. Sauter, je voulais me pencher. Voilà. Je vais peut-être pas rapprocher assez. Donc là, c'est une corde en liane, donc on peut se balancer sans trop de soucis. Je pense que j'ai pas assez rapproché la plateforme. Ouais, j'ai pas assez rapproché la plateforme. En espérant bien évidemment que quand on aura réussi à passer sur la plateforme, on pourra avancer. Je me balance et je saute. Et bien évidemment, elle n'avance plus. Bon, forcément, donc on va prendre un petit peu d'élan et. Parfait, ça passe. Ici, on voit un autre mécanisme, un bouton qui nous a vidé. Tout simplement pour qu'on puisse passer et prendre cette échelle-ci. Donc, nouveau petit point de sauvegarde. Hop, il y a des petits ronds. Mais c'était pas grave, hein. Je me suis loupé. Donc là, je pense qu'on s'enfonce de plus en plus profondément dans le marais. Je vais passer par en bas parce que ça m'inspire pas. Oh. Peut-être est-ce une mauvaise idée. Alors sachant que les araignées, avec un peu de dextérité et de doigté, on peut s'accrocher à leur toile. J'aurais peut-être dû passer par en haut, en fait ça m'a l'air moins compliqué. Ah, je l'ai pas eu.
peu d'élan, hop. On va essayer de pas se faire bouffer. Alors, est-ce qu'il vaut mieux aller par en haut ou par en bas? Je sais pas. En même temps, c'est aussi le but hein, d'explorer un peu. En même temps, on m'inspire pas confiance les bêtes qui sont dehors. Peut-être rester en bas. Donc, un verre à pique. Un verre à pique tout rose. Une araignée. Alors, le verre à pique tout rose n'est pas dans mon bestiaire, mais je sais pas si j'ai très envie d'aller lui faire un câlin pour qu'il devienne. Voilà, je suis passé par en haut. Hop. Ouf. Hop. Nouveau petit point de sauvegarde. Je pense que là, on a un petit peu vu le principe du jeu. On a vu une petite cinématique ou deux ou plusieurs qui permettent de comprendre un peu les enjeux qui régissent ce monde. Parce que ce monde a été envahi par les ombres et on nous a confié le fait de déjà sauver notre famille et puis si on peut y arriver, sauver le monde. Je pense que vous en avez vu assez du gameplay. On va vous faire une idée de savoir si le jeu est pour vous ou non. Sachant que, je le rappelle, pour moi le gameplay est quand même assez exigeant sur certains aspects. Notamment sur le fait de grimper aux lianes. Lianes encore, ça va. Mais grimper aux toiles d'araignée, ça devient un peu plus tricky. Je pense que il peut générer de la frustration si vous n'êtes pas très doué en plateforme, même si on finit par y arriver. Mais je préfère quand même un petit peu prévenir que le gameplay est exigeant. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié le jeu. Je remercie encore la chaîne 119 minutes et GOG pour la clé du jeu. Et je vous dis bye bye!